tu tombes tout de suite, Victor. Il faut absolument que tu perdes vite. Ils organisent ce combat pour nous montrer à quel point ils sont supérieurs. Si tu tombes pas tout de suite, t'es mort, Victor. Meine Damen und Herren, bei diesem Kampf werden die Regeln dieser ehrbaren Sportart respektiert. Le miracle, c'est de vivre. Une minute, une heure. Annuler ce combat. Pérez s'est blessé pendant l'échauffement. On va le faire avec un autre de tes gars, là. Il devrait essayer son frère, je suis sûr qu'il serait bon. Il est pas du tout prêt. Il a pas fait un seul vrai combat. Victor, il veut devenir boxeur. Faut qu'il profite d'aujourd'hui pour voir ce qu'il vaut. Laisse-le saisir sa chance. Nous avons un changement de dernière minute. Le nouvel espoir de l'écurie Joe Baranès, Jean Pérez, va affronter Patrick Mokhtar. Promets-moi une chose, mon bébèche. Dis-moi. Jamais ton beau visage ne doit prendre du coup. Jamais. Oui, je te jure, maman. Je te jure. T'es le meilleur, gamin. Je manage des boxeurs en France. Alors je te paye le voyage, et toi, tu me donnes 20% de tes gains. Qu'est-ce que t'en penses? Benjamin? Benjamin, ce sera ton préparateur. Non, Victor! Non, arrête! Qu'est-ce que c'est? On a des principes ici en France! Pardon, madame. Il est le dernier à partir. Dépense sans compter. C'est un dur, votre petit arabe. Les juifs. Les juifs arabes. Même chose. Allez, Victor, arrête un peu et viens te reposer. C'est le match demain. J'arrêterai quand je serai mort. Demain, tu seras mort! Eh ben, rien en plus! Ce soir, devant vous, un combat exceptionnel opposant l'Américain Frankie Gennaro, le Tunisien français de cœur, Yang Pérez, et le champion du monde est Yang Pérez. Il est champion du monde. Bonsoir. Vous vous souvenez de moi? LTP? C'est de la soie. Enlève-la. J'ai pas envie que tu la froisses. T'as le championnat du monde dans deux semaines. T'as oublié tes boxeurs ou quoi? Viens cette fille. Viens là, Victor. Quoi tu parles là? Elle est pas pour nous. Tu sais plus ce que tu fais, tu sais plus où tu vas. T'as brûlé tous tes sous. Mets-toi avec une fille de chez nous. T'es comme les autres, Benjamin. T'es un jaloux. 54. Non, mais c'est pas vrai. Faut qu'il perde 4 kilos en quelques jours, hein. Arrête de boire aussi. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes en direct de Manchester pour accueillir le championnat du monde des mouches entre Yang Pérez et son prétendant Jackie Brown. C'est quoi ce collier? Je ne suis pas mariée avec toi. Pérez est battu. Il vient de perdre son titre mondial des poids mouches. Je suis pas encore fini. Vous ne lisez pas les journaux? Ici, on a du mal à imaginer que des choses comme ça peuvent arriver. Kia! Mireille, m'attends à l'intérieur. Je peux vraiment pas te laisser rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pousse de mes fringues? Putain. Mireille.
Je sais que t'as toujours utilisé les hommes pour ta carrière, mais je pensais pas que t'irais jusque-là. Qui ce juif? Victor Pérez, 136 combats. Bon, 27 par KO. Vas-y, je vais aller au train. C'est un honneur d'avoir un boxeur professionnel. Ça m'avait fait mal de penser qu'un juif pouvait devenir champion du monde de boxe. Vous avez dû acheter les arbitres. Vous allez disputer des combats ici, dans nos centres de camp. Face à des vrais Aryens. Ici, plus question d'acheter les arbitres. Car l'arbitre, c'est moi. T'es pas tout seul. Ils sont tous avec toi. Le miracle, c'est de vivre. Une minute. Une heure. La mort, elle est partout autour de nous depuis qu'on est rentré dans ce camp. Elle est même déjà en nous. Je leur dirai que j'ai combattu.